Donc bonjour à tous. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu sur Android. Je pense que ça fait plus d'un an. Et le dernier, je pense, c'était Samoros. Samoros 3. Donc un jeu de un point and click. Donc là, je vais vous présenter. On va faire le début de l'aventure de The Room 4, donc intitulé All Sins. Donc c'est un jeu d'énigmes. Donc on est enfermé dans des pièces et il faut trouver le moyen d'en sortir. Donc c'est le genre de jeu que j'adore sur Android ou sur PC, hein, point and click à l'ancienne. Donc là on va commencer une nouvelle partie. C'est parti, let's go. Donc là on est toujours sur l'émulateur Memu, donc sous Android 7.1. Donc pour Memu, c'est un émulateur Android sur PC gratuit. Et on peut même émuler jusqu'à PUBG, Fortnite, je sais pas, j'ai pas testé. Je testerai peut-être dans une autre vidéo. Donc là, c'est parti. Alors j'ai fouillé toutes les pièces de cette maison sauf le grenier. Je n'irai pas bien loin dans le noir. Balayez l'écran pour regarder autour de vous. Donc là, tout se fait à la souris. Voilà, je dois mettre en marche le projecteur pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là aussi, c'est comme les épisodes précédents en double-clic. Actionnez l'interrupteur. On dirait que c'est cassé. J'ai besoin du tournevis dans ma boîte à outils. Donc pincer pour faire un zoom. Alors d'après mes souvenirs, je sais qu'il fallait appuyer sur le bouton contrôle du clavier et la molette de la souris. Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est ça. Toucher deux fois la boîte à outils. Soulever les loquets pour déverrouiller la boîte à outils. Bon, pour l'instant, c'est le didacticiel, il n'y a rien de... Hop. Voilà. Étrange disparition. Un couple porté disparu. Mon carnet détient toutes les informations que j'ai reçues pour cette mission. Et donc l'avantage aussi du jeu, c'est que vous pouvez sauvegarder sur le cloud. Et si par exemple, il est installé sur le PC, je l'ai installé aussi sur mon téléphone portable. Et donc je vais pouvoir récupérer, bien sûr, si je suis connecté, récupérer ma sauvegarde PC pour pouvoir continuer sur mon portable. J'ai joué graphiquement, il est pas mal. Un célèbre ingénieur envoyé de l'Institut Royal. Monsieur Edward Lockwood provoque la colère de l'Institut Royal. Profil du sujet. Edward Lockwood, 32 ans, 1m76. Formation d'ingénieur mécanicien, connaissance en chimie. Situation améliorée grâce à son mariage à Abigail Valdegrave. Devient assistant à l'Institut Royal. Resté en poste pendant un an. Renvoyé pour mauvaise conduite sans plus d'explications. Un chercheur lègue son domaine à sa fille unique, la célèbre artiste Abigail Lockwood, hérite du Valgrove Manor, le fardeau de la dette. Pardon. Donc Abigail Lockwood, née Valdegrave, âge 28 ans, 1m62, artiste de formation classique, mécène pour des expositions, fille unique de l'honorable Hugo Valdegrave. Mariage controversé avec Edouard. À la mort de son père, Abigail a hérité du Valdegrave Manor et des dettes colossales de sa famille. Valdegrave Manor, donc un plan. Donc je pense qu'on est dans le manoir. Alors. On doit être dans le grenier du manoir. 1er novembre, les rapports de Monsieur Lockwood à mes employeurs ont cessé. Sa femme s'en est probablement mêlée, actuellement introuvable. 12 novembre, la perquisition du Valdegrave Manor menée par la police n'a rien donné. Cette affaire dépasse largement leur entendement. 14 novembre, mes employeurs insistent pour que l'échantillon reste au Valdegrove Manor. À présent, ses effets sont perceptibles pour un œil exercé. Retrouver sa trace, remonter à la source. Et il n'y a plus rien. Pincer pour faire un zoom. Donc le tournevis, souvent, ce qu'on récupère, on peut les assembler. Donc ici, on a un inventaire. Et on peut les assembler, on peut les regarder. Donc j'ai récupéré l'objet trouvé.
Donc là, je vais refaire un zoom, je vais pouvoir ouvrir certainement la boîte. Ok. Il y a un corps qui est apparu là. Mais qu'est-ce que c'était? Je dois regarder de plus près. Donc là, je vais pouvoir utiliser le tournevis. Bon, et là, il manque une place. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, il y avait ces histoires-là où c'était chaud, il fallait faire les deux en même temps. Ah, ils ont fait exprès pour qu'on pas le, on puisse le pas y jouer sur PC. C'est pas grave, on va l'avancer, on va aller rapide. C'est chaud, hein. Sur PC, c'est chaud comme ça. Il y a de certains... C'est vrai qu'il y avait des passages comme ça aussi. J'ai dû les faire sur portable et merde, je vais pas réussir. Merde, 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 merde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ah si, je vais trouver une astuce. Alors attendez. C'est vrai que bah, l'avantage de l'émulateur, c'est qu'on peut mettre, on peut mettre une clé. Donc je vais laisser une clé. Je vais appuyer sur A et comme ça va. Hop. Hop, raccourci A. Ok, je vais faire save. Sauvegarder sous. Et là, je vais mettre. Je vais mettre The Room. The Room 4. Hop, sauvegarder. Voilà. Comme ça, je vais mettre celui-là là. Je vais appuyer sur A. Ça marche pas. Non, c'est pas possible. Si ça marche. Hop. Donc j'appuie sur A. Et voilà. Une maison de poupée, il y a quelque chose qui cloche. Là, faut toujours tourner autour. Il y a un truc là, ça j'ai souvenir. Alors le petit œil, il va m'embêter. Alors je vais remettre, je vais le déplacer. Hop, hop, voilà. Safe. Regardez. Voilà. Faut filouser, hein. Des fois, il faut filouser. Ok. Alors, est-ce que c'est comme dans l'autre, on avait une. On avait une sorte de. Une sorte de. Une sorte de petite jumelle. Une sorte de vue. Et ça permettait de voir les choses cachées, etc. Donc là, hop. Alors, peut-être que ça a à voir. A touché deux fois la boîte à outils. Ah ouais, tout le monde a des secrets, il se trouve. Ah ouais, des fois il y a des trucs en plus, ouais, c'est vrai. Par exemple là, hop. Ouais, c'était ça. L'oculaire, voilà, c'était ça. L'oculaire et on pouvait voir les objets cachés. Hop. Alors ouais, c'est vrai, ça, c'était depuis la version 3 qu'ils ont rajouté ça, où on pouvait avoir des... Ou la version 2, je sais plus, The Room 2 ou The Room 3. Non, The Room 2, c'est depuis The Room 2.
Et dans The Room 3, c'est qu'on pouvait encore rentrer dans les objets. On pouvait rentrer encore à l'intérieur. Et c'est dans The Room 2 où il y avait dans les objets d'inventaire, il y avait des énigmes dans des énigmes. Donc il fallait toucher les. Donc je pense que ça va être le cas. Il fallait toucher à son inventaire pour pouvoir. Voilà. On pouvait démonter des objets dans l'inventaire. Les combiner, etc. Briser le sceau, trouver le zéro. L'oculaire permet enfin de voir des choses qui restent invisibles à l'œil nu. Donc voilà, c'est ce que je vous avais expliqué. Je devrais utiliser mon oculaire pour examiner la maison de poupée. Yes. Alors, on va dézoomer. Alors, est-ce qu'il n'y a plus rien à... Ah, c'est... Là, on est guidé, là, pour l'instant. Mais il y a peut-être là, ici. Bon, pour l'instant, on est guidé. C'est un didacticiel. Donc là, hop. Et voilà. Je suis ressorti de l'oculaire. Hop. Bon, il y a d'autres secrets, hein, parce qu'il y a des trucs cachés. Ah, graphiquement, ils ont vraiment amélioré ça. C'est extra. C'est nouveau ça aussi. Ok. Le vestibule. Et après, ouais, si je déclique. Ah non, je peux plus. Donc là, je suis vraiment rentré dans le vestibule. Je pense, je sais plus si on peut ressortir. Ouais, je ressors. Ouais, voilà. Parce qu'il y a d'autres trucs, hein. J'ai oublié des choses, et il faut tous les trouver. Par exemple, ici, il y a un truc là, il doit y avoir quelque chose à... Pareil là, là, là-haut, ça c'est sûr et certain. Des trucs à récupérer, ça. Bon, on va retourner au vestibule, là aussi pareil, là, et là ici. Des fois, ben, faut observer. Bon, on va retourner au vestibule. On va reprendre, je pense. Tac, voilà. Ça me permet de rentrer à l'intérieur. Je vois qu'il y a un truc là. Une sorte de pie. L'on déchargeait les instruments du chariot tandis que mon mari observait la scène d'un air émerveillé. Depuis son départ du Royal Institute, je ne l'avais jamais vu comme cela. Les hommes s'affairaient en silence. Ma présence semblait les mettre mal à l'aise. La tête basse, les lèvres scellées. Jamais ils n'oseront croiser mon regard. Ils semblaient si désespérés. Je m'écartais pour ne pas les gêner. Comment se fait-il que des hommes se sentent menacés par les femmes d'une certaine intelligence? Ils seront certainement plus chaleureux une fois qu'ils auront appris à me connaître. Le principal, c'est qu'Edouard est à niveau du travail. Je regarde au cas où il est.
chose de caché. Attends. Voilà, rien à voir. Oh si. J'adore. Ah, c'est extra le style. Quel qu'en soit, on tourne et hop, on revient, hop. Si on tourne dans le même sens, on a une page vide. Et hop, ok. Bon, il y a l'air d'avoir que ça. J'ai bien l'impression que les livres de cette maison de poupée cachent de nombreux trésors. Quelque chose me dit qu'ils m'aideront à découvrir ce qui s'y passe. Ce qu'il s'est passé. On va s'occuper de la boîte. On va aller voir la cheminée. On peut pas. Je regarde au cas où. Non, c'est obligatoirement la boîte. Un truc. Pièce mécanique en cuivre. On va regarder. Ah ok. Bah je l'ai ouvert. Et là je vais pouvoir m'en servir de clé. Elle se met juste là, je pense. Voilà. Et je pense que je vais rentrer à l'intérieur. Ah non. Ah, je dois aligner les points là. Ah ouais, d'accord. Ok. J'avais pas vu qu'il y avait deux plans. Donc là, je le vois, là. On voit le trait. Je vais pouvoir tourner dans l'autre sens. Je suis à l'envers, par contre. C'est comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est bon, là. Yes. Armoirie, pardon, familiale. Mon premier. J'ai l'impression que cela appartient à la maison. Ouais, c'est ce qu'il y avait au-dessus, là, on avait vu juste avant. Donc là, est-ce que je peux le reprendre? Ah, je peux plus. Oh. Ah non, ben genre. Je vais enlever parce qu'on dirait que c'est ça m'aide un peu de trop. Je pense que dans les options, on peut mettre conseil. Bah ben non, j'ai pas mis de conseil. Bah, ben, c'est vraiment le didacticiel. Bon, ok. Didacticiel. Donc là, je l'avais vu qu'il fallait faut le mettre là. Le saut, le zéro doit être derrière. Moi, j'ai touché, mais ok. Lui, il manque la figurine. Pas la figurine, mais la. Bah, si c'est une maison de poupée, donc il manque une figurine.
Ah ouais, est-ce que je peux la prendre la figurine? Non. Je peux la tourner déjà. Ok. Donc on va retourner l'os et la pièce mécanique en argent. Je vais aller dans mon inventaire, je vais la rouvrir et on va pouvoir retourner dans la... Là, cet endroit-là. Et on va pouvoir ouvrir derrière. Ce côté-là y est fait. Voilà, je vais pouvoir la mettre là. On va se rapprocher. On va réutiliser l'oculaire. Et là, on fait pareil. Donc là. Ok. C'est là. Comme ça. Voilà. Bon, celui-là, rien de compliqué. Panneau décoré en métal. Est-ce que je dois appuyer sur les deux en même temps? On va voir, on va tester. Save. Yes. Non. Ah si, c'est ça. Ok. Alors, ensuite. Ouais, c'est ça. Donc je le maintiens, je le tourne. Voilà. Donc là, je rappuie sur A. Je relâche. Ça n'a pas marché. Ah, et je dois faire les bleus après. Ok. Le bleu. Ok. Donc là, je suis désolé, je vais devoir refaire. On va refaire. Hop. Voilà. Ah là, il faut jongler avec le avec la troisième. Alors. Celui-là déjà. Voilà. Ensuite, donc celui-là, on va l'ouvrir. Ça. Grave, on va faire déjà les bleus. Ah, c'est chiant ça, là. Faut vraiment ils n'avaient pas beaucoup sur les autres où il fallait utiliser les deux, mais là on est obligé. Ok, ensuite. Donc là je vais laisser tomber. Je vais le bloquer. Celui-là je le bloque, comme ça il coulisse, c'est parfait. Voilà. Encore modifier là. Tac. Étrange artefact.
Bon, je pense plus qu'on va retourner dans le vestibule. Réussite déverrouillée. Vestibule terminé. J'ai trouvé le sceau dont me parlaient mes employeurs. Il était rodé, mais il est loin d'être détruit. Je suis sur la bonne voie pour découvrir l'élément zéro. Continuer. Ah, tout va se passer. L'artefact que j'ai ramassé, je devrais l'observer de plus près. Ouais, bah, il s'ouvre, lui. J'ai vu aussi bien des traces là. Ok, la figurine qui me manquait. Le signe miniature. Donc là, le... Ok. Ouais, j'ai vu... Juste avant, j'avais une lampe miniature. Je l'avais vu qu'il en manquait une lampe. J'ai vu qu'il me manquait une lampe. Là, ici, là. Là. Voilà, je l'avais vu juste avant tout à l'heure. Il y a encore ici, là en dessous, là de la cloche, là, que j'ai pas utilisé. Mais là, je peux... Ah, d'accord, c'était pour m'indiquer, je pouvais faire le tour de la maison maintenant. La maison de poupée. Ok. Le vestibule est terminé. Ça. Je sais pas à quoi ça sert. Je peux pas le prendre. Il y a ça. Ah ouais, ok. Je vois où. Non. On va pouvoir faire tourner. Ah là, c'est un autre artefact qui est à l'intérieur. Ah, il y a un trou là. Ok. Ah ouais, là. Ah, ça ressemble. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il faut mettre le symétrique de ça? Là déjà je vois que je suis dans l'autre sens. Est-ce qu'il faut le mettre? Je vais faire le soit la même chose, soit symétrique. Donc je vais le mettre.
va déjà s'occuper de pouvoir tourner l'emblème central. Ok. Ensuite. Alors, je me rappelle plus vers l'extérieur. Voilà, c'est symétrique. Donc là, hop. On utilise l'oculaire pour entrer à l'intérieur. Et on est dans le bureau. Dans le bureau. Donc là, il y a pas mal de trucs là. Donc là, je vois qu'il manque un tuyau. Là, je le vois gros comme une maison. Hop. Ah, ils ont fait beaucoup plus de trucs avec. Ah non, je pensais qu'on aurait pu loquer ça. Ça fait rien. Je pensais qu'on aurait pu le. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça, c'est des vannes. Bon, ça, on peut pas, mais je pense qu'il y a moyen de le loquer. Celui-là, il va pouvoir descendre. Bon, on va revenir en arrière. D'accord, le bureau, il a l'air de. C'est une combinaison. Ok, on appuie sur le centre. Ok, on va trouver la combinaison. Il y avait un truc au-dessus là. Bon, ça, on doit pouvoir ouvrir la. Alors, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ah. Il n'y a rien de compliqué. Ok. D'accord.
Ah, d'accord, ok. Ok. Ah, ça, c'est pour faire un. On va sûrement devoir avoir une pièce et on va pouvoir l'écarter avec ça. Ça, c'est pour après, ça, je pense. Allez, ça doit ouvrir là. Mais attends, il y avait un truc là. Ah, je sais pas là. Je ne sais point. Okay. Steam Engine. Ma femme m'appelle, sa voix résonne dans le couloir. Serait-ce aujourd'hui? Déjà! Je restais bouche bée en assistant à la transformation de mon modeste bureau. Certaines facultés ont moins de matériel que cela. Il y a des appareils dont je ne connais même pas le nom. J'essayais de penser à sourire et à respirer. L'objet de mes recherches est une chose tout à fait curieuse. Un nouvel élément récemment découvert et aux propriétés largement incomprises. Il est d'une rareté inimaginable. Sa valeur l'est encore plus. J'aperçois Abigail, resplendissante, et mon cœur bondit. Pour une fois, je peux lui offrir tout ce qu'elle veut, mais je dois la protéger de ces gens. Ma femme est de nature curieuse et il ne vaut mieux pas se mêler des affaires du cercle. Là, c'est pareil. Ok. Bon, alors la Steam Machine là. L'artefact est coincé à l'intérieur de cette machine. Ouais, il faut pouvoir l'alimenter. Non, attends. Pas vu ça. Médaillon comportant quatre trous. Voilà, médaillon. Et ça, c'est les fameux trous que j'ai vus juste avant. C'est ici, là. Voilà, et je vais pouvoir. Voilà, médaillon ouvragé en métal. Ok, mais ben ça, je l'ai vu quelque part, ça aussi. Je l'ai vu où ça? Je l'ai vu là-haut, là, 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 là. Non, là. Yes. Voilà. Yes.
C'est bloqué. Manivelle. Ah, c'est complexe. Il y a plusieurs couches dans l'énigme et ça, j'adore. Alors, la manivelle, elle doit pouvoir l'utiliser pour débloquer aussi de l'autre côté. Là, j'ai une manivelle, donc je vais devoir trouver un engrenage. J'adore. C'est à la fois. Pas Non, je peux pas le mettre. Bizarre, c'est quand même. Ah, d'accord. Ok, d'accord. J'ai pas vu. Ah mais là j'ai merdé là. Attends, je vais faire ça. Voilà. Mets-toi là toi. Donc lui. Donc ça va être celui-là. Ah ok, il se met dans l'autre sens. Ok, donc je vais les mettre là en attendant. Toi je te prends. Toi tu vas aller en haut. T'es parfait. T'es pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Toi je te prends. Mauvais sens, mais c'est pas grave, on va te mettre là en attendant. Toi, je te prends, je te mets là, toi, tu viens là, voilà, toi, tu te mets là. Attends, bah non, tu te mets là, toi. Hop, il est fini. Voilà. Voilà. Et on les intervertit. Voilà. Partie depuis miniature. Ah ça, le puits. Le puits, je vois quoi? Le puits. Je dois ressortir du... Je pense. Faut aller à l'extérieur de la maison. Il y avait un... Là. Ça, je me demande si c'est pas là le puits. Yeah, c'est ça. Ouais, mais ça sert à quoi aussi?
Voilà. Et une autre pièce. Oh. La cuisine. Donc là, on a deux énigmes en même temps. Donc là, ce que je vais faire, je pense que, attendez, ça fait combien de temps qu'on est sur la vidéo là? Ça fait 45 minutes. Je pense que c'est déjà pas mal pour faire une petite présentation. Donc je vais arrêter là la présentation du jeu. Si vraiment vous appréciez, bah mettez des, je vais pas demander de pouce bleu, je m'en fous, mettez en commentaire et je ferai la suite. Donc bah on se laisse là et on se laisse là pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Allez, à plus, ciao. Actuellement ou bientôt sur ma chaîne, abonne-toi.